Bonjour, c'est la journée du concours. On est le 20 décembre. On n'a pas eu 100 participants, mais j'en ai quand même un nombre quand même assez intéressant. Oups, j'ai échappé mon crayon. Alors, qui gagne le concours? Avant, je vais dire le prix. Le prix, c'est 100 $ en tatouage ou en maquillage permanent. Et ça peut être c'est un certificat cadeau, donc vous pouvez l'offrir à un ami pour les fêtes. Ou même à un groupe d'amis, vous pouvez partager ce prix-là à plusieurs. 100 $, vous pouvez vous partager 10 personnes, 10 $ chaque. Ou 2 personnes, 50 $ chaque. Dans le fond, je suis assez ouvert à ça. C'est ça. Je mets le nom de la personne dessus. Qui va gagner. Montant. 100 $. Date d'expiration. Dire que ça va être le 20 juillet. 20 juillet 2019. 6 mois, c'est bon. Parce qu'après ça, je vais vous oublier. Alors, de la part de Mystique de Fantasia. J'ai mis à écrire parce que je ne vois pas écrire Mystique. Alors, c'est pour qui ça? Ce beau prix-là. 100. 11. 100 $ en café. Au 91 rue de la Gare. À Amos. J'aime ça faire des tirages. Je vais en faire, mais pas souvent. Peut-être 2 par année. Surveiller ça. Disons que je pourrais en faire un autre à Saint-Valentin d'un prix différent, ça pourrait être dépassé. Si ça vous intéresse, vous me dire que vous êtes intéressé. Ça pourrait être 50 $ en percée. Je vous dis que 50 $, vous pouvez en avoir dépassé. Les bijoux, c'est les bijoux que je vends là. J'ai une très belle collection. Ensuite, je vais aller vous la montrer. Puis c'est ça. Alors, disons 15 janvier, je vais commencer un autre tirage pour 50 $. En bijoux. Hein? C'est bien ça? OK. Bon, j'ai assez brossé. Je regarde pas. I. Oh. C'est Nancy Bernier. Alors, félicitations Nancy Bernier. Vous gagnez 100 $ de certificat cadeau en tatou ou maquillage permanent, selon votre choix. Ça peut être correction de tatou, ça peut être 100 $, vous avez le droit à... Je vous dis c'est un bon gros tatou, à peu près ce grosseur. Oui. Dépendamment des détails, vous en avez assez pour vous faire un tatou complet. S'il est gros, ben, ça vous fait un rabais pour un gros tatou, peut-être une valeur de 300, vous allez payer seulement 200. Alors pour Nancy... Nancy Bernier. Félicitations, Nancy Bernier. Pour les fêtes, je vais être un petit peu fermé, mais pas longtemps. Je reviens le 26, du 26 au... Là, c'est la semaine prochaine. De toute façon, c'est la semaine prochaine de jeudi à vendredi. De mercredi à vendredi, je vais être présent à partir de midi à 6 heures. Donc, vous avez juste à passer au 91 rue de la Gare, derrière le Jean Coutu. Les gens ne connaissent pas toute la petite place, c'est anciennement des filles autonomies. Je ne sais pas si vous reconnaissez le coin, on voit la gare. Et moi, je suis juste dans le petit coin, hein, au 91 rue de la Gare. C'est l'établissement de Chaussures-Pommes. Alors, je vous remercie de votre attention pour le tirage. Maintenant, je vais vous montrer les piercings. Je me pose, puis je vais vous montrer ma belle collection. Ça va vous donner une idée si ça vaut la peine de participer ou pas. Moi, je vous dis que oui. En même temps, vous allez voir le studio où Nancy Bernier va se faire tatouer. Moi, je suis en haut. On a un grand local d'esthétique et de bien-être. On va bientôt avoir un service aussi d'éducation pour les animaux et de zoothérapie. C'est vraiment très complet.
En plus d'avoir des soins, épilation, pose de cils, pose d'ongles, conseils nutrition. Ah, vous pensez vous informer, vous allez voir, c'est plein. Alors, ça, c'est la fameuse chaise. Il n'y a pas de torture avec moi. Je vous garantis que j'ai des produits contre la douleur, puis les gens ne sentent rien. Même pour le maquillage permanent, on me dit que ça fait pas mal. Si j'utilise le produit, si vous en voulez pas, vous pensez être tough, vous essayez. Alors, piercing. Vous voyez, j'ai des belles boucles d'oreilles, différents cristaux, des dates de naissance. J'ai style fantasy. Ça, c'est moins cher. Et 50 $, vous imaginez. Ça vaut à peu près 5 $. OK? Ça, vous voyez les prix. C'est 50, 7 et 50. J'en ai en or. Pour de l'or, ici, un beau petit kit. Disons 14 carats en or. Il est 41. Vous voyez, vous pouvez avoir des belles boucles d'oreilles en vrai or avec ça. Et vous pourriez avoir des modèles comme ça, des cristaux. Ça, c'était pour les boucles d'oreilles. J'ai aussi différents piercings. Vraiment, j'ai toutes les formes. Nombril. Maintenant, j'ai des septums. Vraiment une grande variété de septums. Ça, c'est vraiment beau. Vous voyez, ça, c'est vraiment cute. Ça se met au bout du nez. Pas dans la narine, là. Ça va au centre du nez. C'est un nouveau produit. J'ai des boules de rechange pour les piercings des extrémités. J'ai tout ça, là. C'est plein de sortes en acier. On voit ici d'autres sortes. J'en ai pour les sourcils, pour les narines. Pour des traverses pour oreilles. Vous voyez, c'est des belles traverses, là. Juste ce modèle. C'est juste ce modèle ici, là. Non, non, c'est pas lui, je l'ai montré. C'est lequel? Ah, tiens, regarde. Belle traverse, ici. Ils ont des bijoux au bout, là. On les voit pas très bien dans la vidéo. Et j'ai des kits à percer. Vous pourriez vous prendre un kit à percer, ça ne me dérange pas. Si vous voulez tester le piercing sur soi-même. Mais c'est sûr, il faut faire très vigilant, être très vigilant. Demander conseil avant de faire ça. Puis, c'est ça. Il me semble que j'en oublie, là. On les a toutes vues. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, j'en ai vraiment pour toutes les sortes. Ah, c'est ceux-là que je voulais montrer. Ils sont beaux. Ça, c'est les labrets. On peut les utiliser aussi pour le nez ou les oreilles. Labret, ça, c'est le bas de la lèvre. Ou le bas de la bouche, le haut de la bouche. C'est des. Ah, oui. Des belles pierres. Des cristaux. Et leur valeur, c'est de 5 à 20 $. Moi, j'ai fait. C'est tout en spécial, quasiment, là. C'est tout des bons prix. Fait que 50 $, là, vous pourriez avoir 10 bijoux facilement. Alors, c'est ça. Ça, c'est pour le prochain concours qui va commencer le 15 janvier pour la Saint-Valentin. Vous pourriez aussi acheter un cadeau pour votre chérie. J'ai des piercings pour hommes. J'en ai même pour la langue. Et tous les organes génitaux, là, tout, tout, tout. Il y en a qui vont dire, ah, oh, j'oserai pas. C'est pas grave, vous n'avez pas besoin d'oser. J'en ai aussi pour les oreilles. J'ai aussi des bagues et des colliers pour ceux qui n'ont pas de piercing. Alors, même si vous n'avez pas de piercing, vous pouvez participer. Alors, ça, c'est la petite boutique des artisans. Regardez, ça, c'est beau. Mais là, ce n'est pas des bijoux, ça. Ils ne rentrent pas dans le prochain tirage de la Saint-Valentin. J'ai des faux tatous. Alors, pour le tirage, vous voyez, j'ai toutes sortes de colliers, des bracelets. Regardez, j'ai même des antiquités. Ça, c'est une antiquité de l'Asie. C'est un jade. Hein? Puis le prix est incroyable, là. 12 $, ça vaut 40 piastres. Fait que, ouais, j'ai des belles choses.
J'ai de la confection artisanale, j'ai... Oh, regardez, j'ai même des grills. Des grills, c'est des... C'est un bijou aussi, un bijou pour les dents. Je sais pas vraiment la mode en Abitibi, là, mais... des fois, si vous voulez essayer ça. Des belles bagues, c'est des vraies pierres, pour la plupart. Il y a quelques fausses pierres, elles sont moins chères quand c'est de fausses pierres, mais elles sont quand même belles. Regardez celle-là. C'est une fausse pierre, mais hein, celle-là ici, c'est une vraie pierre. Celle-là aussi, c'est une vraie pierre. Regardez ça. Ça, une bague comme ça, c'est 10 $. Fait que ça vous donne quand même du jeu, hein? Pourquoi qu'elle est 10 $? C'est pas parce qu'elle vaut 10 $. Moi, c'est parce que c'est des enchères que je gagne. Voilà. Dans le fond, c'est à moi, puis je vous les vends. Je vous les revends pour m'en débarrasser. Moi, j'aime ça. J'aime les pierres, les bijoux. Puis, je vais en fabriquer aussi bientôt. C'est juste en attendant que mon stock d'artisans arrive, là, parce que j'en fabrique aussi. Alors, ça, c'est des breloques. Non, des breloques ou des broches? Des broches pour mettre sur un manteau, là. Regardez si c'est bon. Ou un veston. Petit poisson rouge avec sa perle. Un scarabée. Et, il y a d'autres bagues ici. Donc, comme vous voyez, ça vaut la peine. Fait que pour ça va être pour 15 janvier. Le tirage va aller au 15 ou 14 février. Donc, surveillez ça de proche parce que c'est bientôt le mois de janvier déjà. Et le tirage va commencer bientôt pour le prochain tirage. Et félicitations encore une fois à Nancy Bernier, notre heureuse gagnante, pour ce premier tirage de Mystique et Fantasia. À bientôt!